Écoutez la vidéo. Le peuple du Burkina Faso soutient le peuple frère du Niger durant ces moments difficiles qu'il traverse. La population de Fadangourma l'a fait savoir au cours de cette marche. Arpentant les principales artères de la ville, elle scande des slogans. La population du Niger, Burkina, Mali, c'est la même chose. Mais nous, avec un grand chargeur, politique française, nous ne devons pas finir ça aussi. Nous soutenons le président Kiani, voilà, avec Ibrahim Traoré, avec Assamé Kouyata, voilà, il y en a bien s'entendre. Personne ne peut pas nous séparer, ni la CEDEAO, ni la France. Nous sommes très contents, heureux que le Burkinabé, c'est un bon voisinage qu'on a fait. Et vraiment, je suis très heureux aujourd'hui. Le capitaine Ibrahim Traoré et Abdou Abdramane Tchani, ils n'ont qu'à se souder, nous libérer avec les Français. On n'aime pas la France au Niger. Nous sommes des souverains indépendants. Le mouvement Burkina Rempart porte l'initiative de cette marche-meeting. La population de la région de l'Est, nous sommes sortis pour manifester notre solidarité africaine. Vous savez que notre président, le président Ibé, il a manifesté cette solidarité-là dès les premières heures du coup d'État au niveau du Niger. Les deux peuples, nous sommes frères. Ni les frontières tracées par la France qui nous a séparés, nous sommes deux frères. Ces marcheurs disent être en phase avec la politique du président Ibrahim Traoré. Ils appellent par ailleurs tous les Burkinabés à s'unir avec les peuples nigériens et maliens pour définitivement bouter le terrorisme hors de la zone des trois frontières. Ce n'est plus un discours des politiques, ce n'est plus un discours des experts, ce n'est plus un discours des sachants, ce n'est plus un discours des théoriciens, ce n'est plus un discours des savants. C'est un discours des peuples, pour les peuples. À Fadangourma, dans les fins fonds du Burkina Faso, voici le peuple qui est debout, qui est dans la rue. Ce peuple que de qu'une tête n'est pas dans l'alphabet, que Bazoum disait des villageois, et ce peuple qui est de la rue au Burkina Faso et qui apporte son soutien au peuple du Niger, au peuple du Mali. Voici la dynamique qui est aujourd'hui, comment dirais-je, enclenchée par le peuple africain. Aujourd'hui traverse le Niger une situation difficile, imposée par la CEDEAO immonde, par la CEDEAO, n'est-ce pas, des copains de copains, des amis. Par la CEDEAO, n'est-ce pas, des intérêts mercantiles, par la CEDEAO des affairistes, par la CEDEAO des mafieux, par la CEDEAO des gangsters, des brigands politiques qui aujourd'hui, n'est-ce pas, sont à la tête de nos pays de facto. Voici le peuple du Burkina Faso, à Fadangourma, qui est sorti et qui demande à tous les Africains de faire pareil. Voyez-vous, c'est dans les malheurs qu'on voit, n'est-ce pas, son vrai ami. C'est dans les malheurs qu'on voit, n'est-ce pas, la vraie amitié. Voir le peuple burkinabé à Fadangourma sortir, envoyer un message au peuple nigérien, au général Tchani, aujourd'hui au gouvernement du Niger, leur dire que nous sommes avec vous, nous sommes ensemble, malgré les difficultés, c'est un acte fort. Il faut mettre des cœurs et des j'aime. Je vais continuer la vidéo, mais je vous demande d'abord de mettre des j'aime, des cœurs et de partager la vidéo. Vous voyez des personnes qui sont loin, au fin fond. Elles ne sont pas dans les capitales, elles ne sont pas dans les villes, mais elles sont loin. Loin, n'est-ce pas, des connexions Internet. Mais elles apportent. Ça veut dire que le message est ancré. Le message, il est partout. La population africaine, le peuple africain a compris. Ça veut dire que tu quittes de Fadangourma à Bobo Dioulasso, à Gao, à Tombouctou, à Abidjan, à Kathiola, à Nakamadougou, à Saint-Fra, à Ifassi. Tu vas à Bafoussam au Cameroun, tu vas à Bafan, tu vas à Tcham, tu vas à Lambaréno au Gabon, tu vas à Libreville, tu vas à Oyem partout. Et tu vas, comment dirais-je, à Niamey. Partout dans ces villes et ces villages, la même logique, le même raisonnement d'un peuple et entendement d'un peuple. Nous voulons être indépendants. Et il dénonce qui? La CEDEAO. La CEDEAO qui est immonde, qui a bâti le peuple du Niger des sanctions inhumaines, des sanctions honteuses et scandaleuses. On empêche les médicaments de rentrer au Niger. On empêche la nourriture de rentrer au Niger. On préfère que les vies puissent pourrir et que les êtres humains ne mangent pas. Quelle cruauté! Quelle cruauté! Comment un être humain peut refuser à manger à son semblable? Même les animaux domestiques, nous leur donnons à manger. Mais pourquoi ces chefs d'État
qui sont à la tête de nos pays n'ont pas de compassion, n'ont pas d'empathie, n'ont pas de pitié. C'est normal, quand vous voyez comment ils vivent dans l'opulence, comme M. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, qui a près de 500 milliards de francs CFA par an de budget, qui vit, n'est-ce pas, comme dans la cour du roi Peto, avec avec les fastes, le beurre, l'argent du beurre, avec tout. Les chefs d'État africains sont comme ça. C'est des égoïstes, c'est des égocentriques. Frères et sœurs, voici le vrai peuple africain. Voici le peuple africain du Gabon, du Niger, du Togo, de la Côte d'Ivoire. Voici le vrai peuple du Bénin. Le peuple qui a compris le message. Le peuple affranchi. Le peuple décomplexé. Le peuple anticonformiste. Il faut saluer cette manifestation pacifique pour apporter un soutien sans faille au général Tchani, au peuple du Niger, au général Assimi Goïta, sans oublier au capitaine courage combatif et combattant, le capitaine Ibrahim Traoré. Au peuple de Guinée, bonne salutation. Vous avez vu, c'est ça l'Afrique maintenant. La nouvelle dynamique, la nouvelle donne. Je vous demande de partager cette vidéo pour que ça arrive. Que les villageois, que d'aucuns tels les Africains d'analphabètes ont compris les messages. Les villageois, c'est également qui sont dans les bourgades, dans les campements. Oui, ceux qui sont dans les villes, vous savez, personne aujourd'hui Gaou, personne n'est aujourd'hui déconnecté, n'est coupé de la réalité. Tous les Africains aujourd'hui sont connectés. Dans les villages, dans les campements, oui, ils sont tous connectés et ils disent une seule chose, abat la CEDEAO. Ils disent une seule chose, abat la CEDEAO, abat Ouattara, abat Azali du Comore, abat Azali du Comore, abat Azali du Comore, abat Macky Sall. Abat Macky Sall, abat Macky Sall, abat Talon, abat tous les collabos qui ne comprennent pas le message africain.